Nous bénissons le Seigneur pour heureuses opportunités lui accorder nous pour nous capables de rejoindre ensemble avec vous dans l'idée pour nous participer dans l'émission. L'émission que nous faisons chaque dimanche de 7h à 8h. L'émission La Parole qui sauve avec serviteur, pasteur Jean-Alphonse Duclair. On va disposer où pendant ce temps, nous allons commencer notre chanté cantique que nous jouons dans le numéro 242 français, chant d'espérance. Et après quoi, nous capables de participer ensemble dans l'émission ça. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité, car doucement, mais sûrement, ma barque vague au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme, autel divin d'un cœur humble et brisé, car doucement mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour des fois. Au pardonnant et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, gloire à Dieu, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âme souffrant, loin de la patrie, dit qu'on leur l'unique entrée au port, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Disposez-vous pour être capable de conduire dans la prière. Dieu bon, Dieu très bon, Dieu infiniment bon, Dieu saint, Dieu très saint, infiniment saint. Nous bénissons, nous exaltons, nous rendons hommage au même seul mérité, au même qui c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin,
ou même qui c'est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le rocher des siècles, alléluia, l'agneau immolé à la croix, nous exaltons. Nous levons au plus haut, passer toute l'autre, parce qu'on travaille pour ça. On travaille, Seigneur, depuis dans la création, on révèle comme un Dieu travailleur, un grand bosseur, qui pas jamais fatigué, qui pas jamais quitté et rien distrait lui du travail qu'il a fait. Non seulement on fait travail au Seigneur, alléluia, mais on pas contento de ça, yo, après qu'on finit créer toute bagarre, on crée l'homme, et jusqu'à présent, Seigneur, on soutient création, aucun des créations on a plamé. Mais go, c'est bon Dieu qui n'a servi, hein, alléluia. Nous bénissons, Seigneur, du fait que, ou même qui fait appel avec chacun de nous, et je dis à nous-mêmes tout, nous capables de répondre avec appel, ça, nous capables de dire, nous c'est petit bon Dieu, nous c'est affaire port de Jésus, nous c'est affaire pas Saint-Esprit, nous c'est affaire pas au Seigneur. Merci Seigneur du fait que nous-mêmes Seigneur alléluia un jour nous t'ai cherché et connaît ou encore virer regard nous vers ou même Seigneur alléluia ou même qui t'ai accepté by la vie pour nous à la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci parce qu'on pas de garder sous hauteur, on pas de garder sous dignité, on pas de garder sous royauté, on pas de garder Seigneur alléluia combien anges qui t'a servi ou même t'ai cherché qui t'ai pouvoir dépouiller de toute autorité pour former un homme rendre obéissant, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix et grâce soit rendue à sacrifice au Seigneur. Jodi a nous bien la vie qui pas jamais finir. Même je n'ai chanté le Seigneur avec l'autre qui pourquoi accepter l'autre qui pourquoi connaît au Seigneur. N'a dit le temps est court. Le temps est court, Seigneur, alléluia. L'homme frappe porte monde à toute heure, à chaque moment, à chaque instant, Seigneur, alléluia. Des monde Seigneur qui te fait des planifications pour l'année 2021, pour l'année 2022. Mais l'homme qui t'a passé, il prend au de Jésus. Et meilleure préparation monde capable de faire, c'est les accepter comme maître et sauveur, les lui permettre Seigneur vienne faire curieux dans la ville ou vienne faire autorité dans la ville ou diriger lui ou c'est Seigneur lui et laisse ça Seigneur alléluia même si l'homme t'a frappé porte lui Seigneur l'a dit avec Jésus pas gain la mort c'est fermer les yeux ouvrir l'autre bord Seigneur nous exalter non nous profiter du moment ça Seigneur alléluia pour demander pardon pour faute non pardon pour péché non pardon pour iniquité non pardon pour tout ça nous fait qui pas bon devant Dieu ou faute cachée faute secrète Seigneur alléluia yo tout yo paraît clair il a découvert devant on a rendu grâce miséricorde. À nous la confusion de face, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, lave-nous complètement, gain pitié pour nous Seigneur, ou même qui gain miséricorde en abondance, car nous dit miséricorde ou pas fini Seigneur, alléluia, compassion pas fini, et le prophète Jérémie déclare dans Lamentation chapitre 3, il dit car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande Seigneur, dans miséricorde ou Seigneur, gain pitié pour chacun de nous, lave-nous complètement, et fais du moment ça réussite pour nous-mêmes qui va aller parler dans nous ou nous-mêmes Seigneur alléluia qui va présenter émission ça qui gagne des jours depuis la passée ou encore des mois et Seigneur depuis la passée à travers Seigneur alléluia radio disciple et à travers Seigneur YouTube de l'autre monde Seigneur qui est capable de tendre parole ça permet à ce que Seigneur chaque monde qui va attendre le Seigneur alléluia il va attendre une parole ordinaire mais que on va joindre une grande parole une parole pour faire cours ça une parole pour avancer et monde qui peut connaître le Seigneur on va attendre il va sortir dans ténèbres parole ou qui c'est esprit et vie selon Jean 6 verset 63, que parole ça, alléluia, lui toucher des cœurs, lui transformer des âmes et que monde vienne connaître en plus bien chaque jour. C'est comme ça nos priorités avec nous de Jésus. Bénis nous-mêmes, Seigneur, qui a parlé, bénis serviteurs qui connectent nous. Fais du moment ça en réussite. Nous t'en prions en vertu de nos œuvres méritoires, mais honoré par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul reviennent la gloire, la puissance, la majesté, la sainteté dès à présent et éternellement. Amen. Bon Dieu, bénis nous. On a observé un coup de pause, après quoi on a retourné avec émission nous. Émission La Parole qui sauve, qui a parlé de évangélisation. Bon Dieu bénis nous. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vague au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court
pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme, autel divin d'un cœur débrisé. Car doucement, mais sûrement, ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour du froid. Au pardonnant, et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, gloire à Dieu, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt pousser ma barque au port. Que d'âme souffrant, loin de la patrie, dit qu'on leur l'unique entrée au port. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Disposez-vous capable de prendre jour dans la prière. Du bon, du très bon, du infiniment bon, du saint, du très saint, gloire infiniment saint. De retour après la pause. Et j'ai noté déjà annoncé l'issue et émissionnons la parole qui sauve, car continuer avec évangélisation, qui c'est grand thème que nous débattons. Et pendant plusieurs dimanches, nous avons parlé en pile ensemble avec vous. Et pendant dimanche, ça, nous avons parlé de plusieurs modèles de proclamation. Il y a plus qu'une dizaine. Donc, dimanche dernier, nous avons parlé de évangélisation explosive et nous avons parlé de quatre lois spirituelles. Donc, avant ça, nous avons trois méthodes. Donc, dimanche dernier, il était fait environ cinq méthodes. Trois premières méthodes que nous avons avant ça, nous avons parlé de la route romaine. Nous t'expliquons la route romaine. Et là, nous avons fini de parler de la route romaine. Nous avons parlé avec vous de mauvaises nouvelles et bonnes nouvelles. Et nous avons parlé avec vous, Santarelli, modèle de Proteski. Et c'est ça qui t'abral permet dimanche dernier, nous avons l'autre deux modèles que nous citons avant, qui c'est l'évangélisation explosive et Santarelli, quatre lois spirituelles. Je dis à nous absolument à citer pour vous l'autre modèle yo et font-y parler de yo tout petit. Ça nous Santarelli, témoignage personnel, qui c'est en sixième que nous sommes capables de parler, qui était que ou même ou à l'expliquer, moun rencontre avec Jésus, comment ou même ou te rencontré avec Jésus. Et qui ça Jésus fait dans la vie ou qui mon pays avant ça, et je dis à qui mon pays.
au cours de l'émission, ça je dis à tout, nous prenons un exemple biblique, côté que nous allons parler, les nous allons dans le modèle que nous avons avant ça, nous avons parlé de modèle d'évangélisation, nous avons parlé de proclamation, nous avons parlé de confrontation, nous avons parlé de intention. Donc, nous avons parlé de modèle, nous allons expliquer modèle, nous avons seulement annoncé modèle, nous n'avons pas entré dans une explication qui est plus profonde, nous allons expliquer avec des exemples bibliques, et bien, qu'on y a là, ou à capable un témoignage personnel et qui va aller changer la vie l'autre monde. Ça t'a capable de dire monde qui n'en contrée à monde qui dans zone côté ou y a monde qui côté ou à évoluer. Donc ça c'est une sixième méthode qui c'est le témoignage personnel. Nous venons pile monde et gagne un fameux m'ta capable de dire un frère qui était une qui était ougan autrefois, nous comment il était venu la expliquer qui travaille qu'il était qu'on fait et qui ça il qu'on fait, et ça permet en pile monde t'étant des paroles là les faire invitation pour dire frère en quel plat, et bien puis le monde vini pour attendre message dit. Et dans la septième méthode qui est le cube évangélique, à partir de chaque on est capable de côté yo, yo mettre des images pour montrer monde qui gens bon Dieu capable sauver yo. Pas oublier message évangélisation, il doit centré sur Christ. Tout message évangélisation, il doit centré sur Christ, c'est ça. Parce que nous te dit la meilleure définition, nous te bail évangélisation, hein, c'est parler avec auditeur, yo, avec l'intention pour convaincre yo, et leur parler avec yo, intention pour convaincre yo, c'est parler dans nom Jésus-Christ, présenter aux bonnes nouvelles là, dans nom Jésus-Christ, c'est-à-dire parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour qui ça, Jésus-Christ est venu mourir et lui ressusciter, mais qui travaille, qui lui fait. Et à partir de la mort, les résurrections, monde qui croit dans lui, il est capable de gagner la vie, qui n'est pas jamais fini. Et une huitième méthode, qui c'est l'histoire biblique, à travers les histoires bibliques, soit dans l'Ancien Testament, surtout, ou bien un paquet d'histoires, et bien, il va expliquer la grandeur de Dieu, et il va expliquer que Jésus-Christ était là depuis le commencement. Parce que Napoléon a parlé de Je suis, le grand Je suis, qui présentait lui à Abraham dans Exode chapitre 3. Il a parlé avec Abraham, surtout dans verset 14 là. Il a expliqué Abraham qui laisse lier, qui c'est Yahvé, le Je suis, c'est-à-dire la vive non éternel présent. Eh bien, Napoléon que ça, c'était Jésus-Christ, pas oublier Jésus-Christ, dans le ministère lui sur la terre. Il a parlé avec monsieur, il a présenté lui, surtout dans Jean chapitre 6. Il a parlé avec monsieur, et puis monsieur a posé la question dans Jean chapitre 8. Encore, il a posé la question. Il a voulu connaître est-ce que Jésus plus grand qu'Abraham. Et Jésus-Christ a dit parole ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Ça, c'était ça qui t'a bon dans concordance là pour le monde qui fait grammaire. C'est ça qu'il t'a dû utiliser. Mais il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Qui fait référence avec Jésus qui était là depuis tout temps. Même Jean nous lit là, Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. À part de histoire biblique, qu'on a une neuvième méthode, et que y aurait les livres sans mots, c'est-à-dire, qui gagnent plusieurs couleurs, et couleurs, ça vous fait référence à Jésus-Christ, là, on va parler de qui est Jésus. Et gagnons dixième qui c'est bracelet multicolore. Des bracelets multicolores, nous connaissons, y a vendu, côté que nous avons choisi moment ça pour parler de grandeur bon Dieu. Il a écrit des bagages là-dedans concernant Jésus-Christ et qui montre comment Jésus remet, comment Jésus capable de sauver. Et gon dernier, en onzième, il y aurait les illustrations des mains, côté qu'il a fait des gestes significatifs avec des mains et qui c'est symbole de la parole de Dieu, symbole de la Bible. Donc ça, c'est ça nous relie des méthodes du proclamation de l'évangile. Mais nous aujourd'hui, on a surtout chita sur les modèles d'évangélisation. Nous finissons avec méthodio et nous avons plusieurs méthodes. Et j'en ai dit là, il y a plusieurs méthodes et méthodes pour tester ce qu'il y a l'MD. Non. Étude sur évangélisation, c'est sous lit, nous voyons que professionnellement, il était plus chita par rapport avec le travail qu'on vient pour faire dans méthode pour tesquillant qui sont modèles, qui ont les modèles pour tesquillant, mais c'est toutefois, il y a bali non ça, côté que on va prier pour mon nom, on va prier pour mon nom, et on va faire des actes vis-à-vis de mon nom, c'est la compassion, et enfin, on est capable de communiquer mon nom, cette parole concernant le message de l'évangile qui est centré sur Christ. On nous parle qu'on y a de modèles d'évangélisation. On a commencé, nous disons, dans le modèle d'évangélisation, nous sommes capables de parler de proclamation. Il y a la proclamation, il y a la confrontation, il y a l'intention, la proclamation, il y a la proclamation, il y a
la confrontation, il y a l'intention. Donc ça yo, ce sont des modèles que nous allons parler ensemble avec vous, que nous allons expliquer yo de fil en aiguille, Jean Monnier disant, pour nous capables faire connaître que qui gens que travail évangélisation hein, les capables plus efficaces, qui gens travail évangélisation, les capables toucher plus monde, qui gens travail évangélisation, les capables arriver plus loin que possible, parce que c'est ça, c'est mission nous-mêmes. Christ relé nous, li relé nous pour nous sauver l'autre yo, Christ choisit nous, il fait appel avec nous pour nous ramener l'autre yo bali pour nous faire connaître que mais qui ça Christ capable fait, mais qui travail Christ capable fait dans la vie yo, mais côté le capable prend yo, mais côté le capable aller avec you. Nous avons plusieurs modèles, mais nous avons trois grands modèles. Pas bien, nous avons parlé de modèles, nous avons parlé de en forme passive, tout. Nous avons parlé de relations, nous avons parlé d'invitation. Mais nous avons chita sur trois grands modèles, confrontation, proclamation et puis l'intention. Attention, passif là nous t'expliquer c'est le wap bay des brochures, le wap bay moun papier dans la rue pour wap invite yo, wap bay au message l'évangile dans nous grand pile moun qui utilisait modèle ça. On va parler surtout de trois modèles ça yo, la proclamation, la confrontation et l'intention. Donc la proclamation, il y a plusieurs bagages qui caractérisent lui. Il y a plusieurs bagages qui caractérisent. Premièrement, ça qui caractérise proclamation, si nous avons dit proclamation, nous capable dit prédication, eh bien, c'est prédication en public ou nous capable dit prédication à l'église même. L'église qui s'est assemblée. Donc, malgré nous capable que selon la Bible, selon ça, bon Dieu m'a dit, nous, pour le monde qui déjà accepté, ce n'est pas la prédication pour nous utiliser, c'est plutôt l'enseignement. Mais on voit plus que l'église en lui-même, il y a plusieurs couches de monde, il y a plusieurs catégories de monde qui viennent là-dedans, et bien nous besoin non période déterminée au cours de message nous capable de prédication là-dedans. Mais pour monde capable grandir, monde qui accepte Christ déjà, c'est l'enseignement, c'est ça il dit nous dans Matthieu chapitre 28 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est l'enseignement qui allait non façon qui est plus profond de prédication. Car apôtre Paul va déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, prédication, c'est surtout pour le monde, j'aime être capable de dire là, qui beaucoup fait appel avec Christ. Là, parler de prédication, on parle de lui-même tout, non sens général, et en dans prédication, il y a un monde qui compte fouiller l'autre bagaille en dans lui. Donc, nous dit prédication, proclamation, c'est sa prédication en public, à l'église, et c'est une prédication tout capable de faire en plein air. Non seulement vous capable de faire dans l'église, mais vous capable de faire tout en plein air, côté que une grande foule de monde qui est là. Dans le service plein air, nous connaissons en pile fois, il y a des moyens qu'on possède, par exemple, un thème que vous utilisez qui c'est croisade. Vous qu'on fait croisade en plein air, côté que vous faites des stages, et à partir de stage là, monde qui a fait travail ça yo situé sous stage là et l'autre moun yo même yo capable par en bas y a tendé message l'évangile là. Donc ça yo c'est une façon pour nous dire y a fait la programmation de la bonne nouvelle et que de groupe qui qu'on aller dans mission yo qu'on procéder avec croisade des fois qu'on fait service tout en plein air yo camper dans lieu quelconque côté que y a font service et après ça pour capable prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Mais il y a des exemples bibliques tout, il y a des exemples bibliques concernant la proclamation. Exemple biblique que nous n'avons pas bail concernant la proclamation, c'est le premier exemple n'a bail c'est Jésus. Jésus lui-même qui ba nous modèle là, c'est nous capable ouais dans sermon Jésus au sermon côté la fête sur la montagne, soit pris Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et 7, et bien qu'a parlé côté que Jésus-Christ a présenté les lois du royaume. Eh bien, c'est une forme de prédication que lié. Parce qu'il y a toute couche de monde qui a attendu lui, et Jésus a présenté un bagage qui part là avant, selon sa monde qu'on est, et ça lui-même, que lui dit qu'il doit de mise, ça qui doit être fait. Donc, c'est un mot, c'est une proclamation, un exemple biblique que nous capable bail, nous va au texte, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu chapitre 7. Donc, trois chapitres, ça y est, parler des lois du royaume. Non, non, c'est mon Jésus-Christ a fait sur la montagne. Deuxième exemple biblique que nous sommes capables de faire, c'est Pierre, dans Actes chapitre 2.
dans Acte chapitre 2, ou après Pierre Campé, il prêchons l'évangile. Pabli Enzo, l'évangile, c'est parler de la mort et résurrection de Jésus-Christ. Et ou après ça, en dans message Pierre là. Pierre Campé, il prêchait l'évangile ça. Et là, il a prêché l'évangile là. Ou bien, ouais, il vient un moment, il dit nous, que mon yo touché. Que mon yo touché. C'est ça, il dit. Et là, que mon yo touché, il y a vraiment des Pierre qui ça pour yo fait. C'est ça, il y a vraiment des Pierre, il y a vraiment des Pierre qui ça pour yo fait. Sinon, après, dans Acte chapitre 2, eh bien, là, il y a un cœur touché, il demande Pierre qui ça pour faire, et bien Pierre va parler avec lui pour dire qui ça pour faire. C'est ça, nous besoin qu'on ait. Donc, l'évangile là, c'est nous-mêmes qui avons comme responsabilité pour nous porter le bail l'autre monde. Nous porter le bail l'autre monde, travail qui vient pour faire par la suite là, responsabilité à, c'est à Saint-Esprit. C'est à Saint-Esprit pour lui capable de transformer la vie ça yo, pour lui capable de venir à la repentance. Nous avons responsabilité pour nous bailler parole là. J'en dis dans le livre romain, comment il a fait qu'on essaie de ne pas porter parole là bas yo? C'est pour nous prêcher, c'est pour nous parler avec yo. Mais changement à l'intérieur, c'est Saint-Esprit qui a fait. Dans Acte 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ou bien cette proclamation, cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qui ça pour nous faire? Face avec parole, ça. Qui ça pour nous faire? Qui disposition pour nous prendre? Donc, ça, yo, c'est responsabilité, moi, avec, ou même pour nous proclamer le message de l'évangile, pour nous dire, mais qu'il est Jésus, mais pour qui ça a été venu, mais pour qui ça a été mouru et il est ressuscité. Donc, ça, c'est deux exemples bibliques que nous baillons. Dernier exemple, nous capable bailler, c'est un exemple par rapport avec un grand évangéliste, nous capable dire du 20e siècle, Billy Graham, malgré lui mouru. Eh bien, Billy Graham, lui-même, il était évangélisé et il fait ça dans pile pays. Il portait message concernant Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ capable de faire. Donc, nous parlons de premier modèle là, qui c'est la proclamation. Proclamation, on nous dit, il est capable de faire à l'intérieur de l'église, par la prédication à l'intérieur de l'église, il est capable de faire tout en plein air. Il est capable de faire à l'intérieur de l'église, il est capable de faire en plein air. Bon. Des exemples bibliques, Jésus-Christ est fait en plein air, nous, Pierre est fait lui, et nous parler de Billy Graham. Donc, ça, c'est responsabilité. Nous gagnons nos autres en tant que chrétiens pour nous proclamer la bonne nouvelle, pour nous dire, mon Dieu, il y a besoin de prendre une décision vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de destination. On a observé une pause, après ça, on a retourné avec la confrontation et l'intention. Bon Dieu béni. Pour agir sans trêve et sans relâche, il faut semer pour l'immortalité, car doucement, mais sûrement, ma barque vague au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme, autel divin de cœur débrisé, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère
Tendons-lui donc la main d'amour du froid. Au pardonnant, et ce mont sur la terre, le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, gloire à Dieu, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement. Nous retournons après pause là, pas oublier, jeudi à nous a parlé de modèle d'évangélisation. Nous avons trois grands modèles que nous chita sou yo, que nous avons parlé au dehors, qui c'est premièrement la proclamation. Nous sommes expliqués qui c'est la proclamation, hein, qui c'est la prédication qui est capable de faire en public à l'église et qui est capable de faire en plein air. Donc, ça yo, nous expliquons yo comment que capable gon foule qui exposé pour tant de paroles là et laisse ça ou même ou gen pour bay message l'évangile là. Donc, malgré gen plusieurs modèles, mais nous devons connaître que gon seul message, message ça, de centré sur Christ. On dit ça plusieurs fois, c'est pour capable et kembe ça dans tête tout pour capable ancrer dans l'esprit pour connaître que l'on dit que on va faire évangélisation, on va faire l'autre travail que présenter Jésus-Christ à savoir sa mort et sa résurrection. Nous avons plusieurs exemples de modèles de proclamation. Nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Pierre et nous parlons de Billy Graham. Donc, on a parlé de deuxième modèle là qui c'est la confrontation. La confrontation que nous connaissons qui c'est l'action de confronter. Donc, une fois que vous dites confronté, nous sommes capables de dire face à face, en langage pas nous, yon face to face, dans l'anglais. Donc, face to face ça, eh bien, les besoins fait pendant que vous en présence de moun nan, côté que ou même vous gagnez pour capable tendre moun nan et pour moun nan tendre. Ça, c'est important. Depuis que confrontation, gen écoute des deux côtés. Et dans écoute ça, yo, après, surtout moun kap tande la, il y a des questions qu'il est capable de poser. Donc, ça qui caractérise lui, c'est des conversations que vous avez avec yon moun, et conversations ça capable de faire soudainement, et en pile fois, le kon fait avec des moun inconnus, pour ne pas dire souvent. En pile fois, li fait avec des moun inconnus, dans caractéristique confrontation. Hein. Donc, ou gagner ça comme responsabilité, ou gagner des monde qui pourraient présenter l'évangile, mais en pile fois, il y a des monde qui viennent en face ou qui posent des questions. Donc, c'est une forme de confrontation. Dernièrement, nous avons dit ça, l'aide à présenter un modèle que nous n'avons pas tellement développé. On nous dit, les témoins de Jéhovah, ils utilisent les. Nous parlons dans la confrontation, tout nous parlons l'autre. On l'a et capable de dire modèle qui est dans lui et on est capable de dire qui c'est yon petite partie en dans lui que les témoins Jéhovah yo utiliser tout à l'heure. On va parler de ça. Donc au besoin qu'on est que moun sa que va parler avec lui, intention c'est pour convaincre lui, mais si on moun ou pas bien préparé la question que on va poser ou capable gain des difficultés. Et parfois on voit que même moun sa ka parler avant là, li kon utiliser des méthodes de manipulation côté que li gain des questions qu'il pose et à force que on va répondre ni, li kon utiliser tractation, pas doit répondre ni la parler en même temps ensemble avec ou. Donc kou nya ou même sou pas konn gérer sandar les débats, sou pas konn gérer débat avec des arguments pour parler avec moun sa, li capable porter le dessus sou. On suivre que dans débat qui s'est fait dernièrement là entre Trump et Joe Biden, on voit Trump utiliser tractation. Gen moun k ap pense Trump c'est malgré mal grand pile entre guillemets, en pile moun dit ça, mais c'est une façon pour être capable intimider et moun qui en face yon pour l'empêcher le parler. Monsieur universitaire yo connaît ça bien, gen de moun yo nan discussion avec lui, et ben yo fait tractation, c'est-à-dire pendant on parler yo essayer parler tout, pendant on parler yo empêche ou parler. Son façon, on n'a pas dit, plus capable de prendre le dessus sur eux-mêmes. Donc, ou même qui peut aller entrer dans la méthode de confrontation, on a besoin qu'on gère ça. Il faut qu'on soit capable de gérer, il ne doit pas parler avec mon nom. Et bien, si toutefois, il y a une intention pour lui parler, et bien, avec sagesse, on est capable de parler avec lui, on est capable de quitter, c'est pour lui quitter au fin de mettre, lui poser une question, si, est-ce qu'elle n'a pas qu'à temps au fin de parler ensemble avec lui, après quoi, s'il a l'autre question, le mettre noté, la poser au lui encore. Laisse avoir fait preuve de sagesse, et bon Dieu lui-même a accompagné ou dans son bras le faire, il a permis que on convainc mon nom. Il y a des exemples que nous voyons à travers la Bible.
À chaque fois que je parle de modèle, ça y est, je parle des exemples. Exemple que je suis capable de parler à travers la Bible, c'est l'exemple de Jésus avec Nicodème. Jésus avec Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Tout le monde qui attend de là, ou encore majorité de monde qui attend de moi, je dis tout le monde parce que moi j'ai un grand auditoire, il y a plusieurs monde qui attend de moi, il y a monde qui c'est chrétien, il y a monde qui pas chrétien. Eh bien, ou même qui attend de moi, on connaît l'histoire de Jésus avec le docteur Nicodème dans Jean chapitre 3. Jean Nicodème lui-même, pendant la nuit, puisque il était un grand docteur pharisien, eh bien, puisque Jésus lui-même, les pharisiens, ils étaient en l'autre façon, eh bien, Nicodème a choisi de rentrer dans la conversation avec Jésus, dans façon pour ne pas remarquer, c'est peut-être ça l'aller dans la nuit. Mais on va voir que dans la conversation Nicodème avec Jésus, eh bien, Jésus va parler Nicodème, du côté que le dit Nicodème, ou besoin fait une deuxième fois. Malheureusement, Nicodème, en tant que grand docteur de la loi, un homme qui a pile connaissance, on est capable de dire surtout dans les lois mosaïques, ça n'est pas relié dans la Torah, eh bien, malheureusement, Nicodème, pas connaît ça qui relie, fait une deuxième fois, né de nouveau, wa, pour Nicodème, jusqu'à ce qu'il va dire, est-ce qu'il est capable de rentrer dans maman encore pour j'aime finir grand monde là? Mais Jésus t'a pas dit, en vérité, m'a dit ça, ou besoin fait une deuxième fois. Côté que le t'a parlé pour né d'eau, né d'esprit. Donc, en pile fois, ça n'a pas privé ou bien des grandes connaissances ou grand pile bagaille qu'on connaît, mais il y a des bagailles pour arriver transcender de vérité biblique, de vérité spirituelle. Faudrait bien que l'esprit de Dieu lui-même lui traverse pour comprendre ça. Donc, Nicodème pas capable de comprendre, et Jésus était tenace sous ça dans la conversation. C'est une forme de confrontation avec Nicodème pour te présenter l'évangile, pour te faire Nicodème connaître, mais comment capable de sauver? Mais c'est le moyen que le capable de sauver, c'est les lui vient fait une deuxième fois, parce qu'il a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous toujours dit au lit, processus conversion, hein, il commençait par la régénération, c'est ça, le Saint-Esprit produit en nous la nature divine qui fait nous venir, gagner un cœur qui est accessible avec la présence de Dieu, du fait que nous venons sensibles à Saint-Esprit, et laisse ça, message là, il est capable de faire couche dans la vie, nous, et nous capable de prendre Jésus et transformer, venir dans l'autre monde, j'en ai dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, Nicodème, pas de comprendre en tant que grand docteur d'Israël, mais Jésus, j'en ai dit, il était tenace, il était d'initié, ou besoin fait, ils ont deuxième fois. Deuxième exemple biblique que nous sommes capables de prendre pour vous, c'est l'exemple de la femme samaritaine avec Jésus. Dans Jean chapitre 4, eh bien, à partir du verset 4 là, comment Jésus va faire une rencontre avec une femme samaritaine. En plus, le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine par rapport, c'était une femme qui était dans adultère. Eh bien, côté que nous, Jésus t'a utilisé des moyens pour lui entreprendre conversation, ça. Jésus pas venu directement. Et c'est ça nos besoins qu'on a. En tant que serviteur, bon Dieu, il y a plusieurs moyens pour nous capables entreprendre une conversation avec un an jusqu'à ce que nous lui présenter l'évangile. Après, Jésus-Christ vini, lui vient parler de ce travail femme nan vient faire là, non le côté que femme nan connaît personne monde pas tape là, personne monde pas rencontrer elle ou bien pas grand pile monde pour qui nuire parce que peut-être il était capable briser monde dans zone nan, il était capable rompre pour monde dans zone nan, mais Jésus connaît dans l'heure ça la jeune femme nan et Jésus va demander femme nan pour le boire de l'eau. Nous connaît histoire là et femme nan va commencer parler avec Jésus dans une façon pour montrer pas gain rapport entre juif et samaritain. Mais Jésus va le faire connait que s'il te connait qui laisse qui te demander le boire de l'eau ça, il t'a demandé moun sa yon de l'eau et moun sa t'a bali yon de l'eau pour le boire pour le pas jam soif encore. De, oh femme nan estomaqué. Mais c'est qui est-ce qu'a parlé avec là? Femme nan t'a biré mais que pour joindre de l'eau pour le pas jam vini là. Mais est-ce que c'est de l'eau naturelle? Ça Jésus-Christ t'a offri. Non, c'est pas de l'eau ça, c'est pas de l'eau naturelle ça. Mais j'ai présenté dans Jean chapitre 7, soit lui, là Jésus a parlé de lui-même qui c'est de l'eau, elle présenté dans temple. Et bien la fait moun connaît que de l'eau ça moun va gagner pour yo boire et des sources de l'eau va jaillir dans moun ça. Donc c'est de l'eau ça Jésus t'a parlé, lui-même qui c'est de l'eau. Mais les femmes n'en voulaient prendre de l'eau, Jésus-Christ va dire allez chercher Marie.
aller chercher Marie. Eh bien, Jésus-Christ, c'est un côté, il besoin arriver avec femme. Non. Il besoin arriver avec femme, non. Côté pour bali message là, pour message à transformer la vie. Li. Et femme, non, pour répondre, Jésus, nous connaissons l'histoire, pour dire Jésus que moi, pas gain Marie. Jésus dit, ah, ou dit vrai. Sans doute, femme, non, qui a pensé Jésus, c'est petit causé, il a fait avec lui. Jésus vient là, lui, il fait la cour. Jésus dit, ou dit vrai, ou pas gain Marie, vrai. Ou passer 5 déjà et 6e qui n'a mon ali pas pour même Jean théologien yo a fait des analyses yo dit Jésus est le 7e homme. 7e homme nan, le chiffre 7 qui c'est le chiffre de la perfection et ben 7e homme nan rivé dans la vie li vinn mete yon hola li vinn camper toute activité et ou te gen yo avec des hommes par le passé et ben li vinn camper et li vinn transformer la vie. Jésus-Christ dit ou dit vrai ou pas rien m'arriver 6e qui dans monde li pas pour et là ça femme nan pral tande message là li pral wè que Jésus c'est prophète yo te annoncé ya et une femme nan tande message là message a transformé la ville pour que ça nous dit message a transformé la ville l'histoire dit nous femme nan al évangéliser la Samarie li dit moi joignez un homme qui dit tout ça me fait et nous pral wè gen d'autres monde qui pral venir pour yon vin tande Jésus-Christ et message à la parcourir à travers la Samarie qui gon grande histoire vis-à-vis de peuple Israël, et c'est raison ça même qui fait peuple Israël pas tellement mêlé avec yo, parce que la Samarie, nous connaissons un peuple qui est allé en déportation avant, c'est le royaume du Nord, yo t'est allé en déportation avant, et yo t'est mélangé avec race étrangère, bagaille que bon Dieu lui-même était interdit, et c'est raison ça que fait le peuple Israël pas mêlé avec Samarie. Donc ça, c'est deuxième modèle là que nous a parlé, qui c'est modèle nous dit qui c'est confrontation. Dans confrontation, tout j'en t'ai dit là, nous t'ai dit nous allons parler de ça que témoin de Jéhovah utilise en pile, qui c'est le pote à porte. Ouais, il dit le porte à porte, il pas dit la porte à porte, il dit le porte à porte, faire le porte à porte. Donc moun ka fait porte à porte, c'est moun qui va aller la caille moun et puis pendant nous qu'on est dans tous les missionnaires, yo, yo vini yo présenter l'évangile. Donc il y a confrontation dans ça. Il y a des moun vinn parler yon bagay, moun nan ki ta konnen sa vinn parler là. Il y a des moun tout, li te ki trap en position, li gon côté li, li fait profession de foi li. Donc faut gon confrontation vis-à-vis de moun ça pour présenter l'évangile, pour expliquer qui ça Jésus capable fait. Donc le porte à porte, j'en nous dit, hein, c'est une façon pour nous faire des confrontations et la parole de Dieu, il m'a dit nous pour nous faire. Et comme conseil, là on fait porte à porte, nous toujours dit moun yo pas aller seul, puis on grain de moun aller, grand pile moun qui victime dans ça. Jésus ba un exemple dans la Bible, montre nous ça. Dans Luc chapitre 10, il dit nous niveau et monsieur Damio 2 à 2. Donc c'est toujours en équipe pour nous faire travail évangélisation, pas aller pour contre. On grain moun pas prendre initiative ça. Gen danger là-dedans, dit ta bon pour jeune un compagnon, pour jeune une compagne pour faire ça et pour capable porter parole là by moun. Et si on fait tout en tant que leader, l'on fait répartition pour voir moun al fait travail là dans des zones, toujours mettez en équipe 2 à 2 pour al faire ça et laisse ça nous croyons que nous avons fait la prudence parce que la Bible dit nous ça, nous besoin simple comme colombe, nous besoin prudent comme serpent. Nous observons une dernière pause, après ça nous retournons avec l'intention qui c'est le dernier modèle que nous avons ensemble avec vous. Bon Dieu béni. Sans trêve et sans relâche, il faut semer pour l'immortalité, car doucement, mais sûrement, ma barque vague au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché. Et ranimer en elle enfin la flamme, autel divin de cœur humble et brisé, car doucement, mais sûrement,
ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour du froid. Au pardonnant, et semons sur la terre, le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, gloire à Dieu, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt pousser ma barque au port. Que d'âme souffrant. Nous retournons après pause, nous, qui c'est la dernière pause que nous observons. Et côté que nous avons parlé ensemble avec vous des modèles d'évangélisation. Nous citons sous trois grands modèles, qui c'est la proclamation, nous expliquer, et nous sommes parlé dernièrement là, et dans un petit temps qui fait ce passé-là, nous sommes parlé de confrontation, et expliquons ça. Et nous disons, dans la dans le modèle de la confrontation, on a besoin de gagner une bonne connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça nous besoin dans le temps pour nous enseigner moun yo, enseigner yo, faire formation pour eux-mêmes. Donc moun ki di yo pral l'évangélisation, connaît que c'est non lutte yo pral, c'est non bataille, c'est une bataille spirituelle liée. Et bataille spirituelle ça non seulement nous besoin rester dans la prière avant nous faire, mais tout son bataille d'idées que liée. D'idées, là nous dit bataille d'idées, gain ça nous ta relé une guerre de confrontation d'idées, côté que gain des arguments que capable faire face avec yo les moun nan pose des questions ou bien li vini avec des arguments, faut venir avec des contre-arguments, les vini avec des thèses, faut venir avec des antithèses et par la suite pour nous capable joindre une synthèse. Donc pour ça yo fait faut ou connait la parole, pour ça yo fait faut ou ancré dans la parole, faut ou konn sobre al parler ya et pour gagner bonne connaissance de lui-même et les savoir capable confronter mon nan ou capable vaincre lui par la parole. Et nous veut faut qu'on tout là ou aller dans modèle ça, l'on présente moun nan la parole. Ça pas veut dire que une fois qu'on fin confronter moun nan pas accepter Jésus pour qu'on essaye une lutte perdue. Non, c'est pas une lutte perdue. Gen moun moment que ou semer grain nan que grain nan pas lever même côté. Ah mais grain nan li gen couche que la fait dans la vie moun nan. Gen moun son confrontation qui t'est faite par rapport avec un serviteur, un servant bon Dieu t'est venu par la vel et puis il arrive dans un moment dans la vie li dans un carrefour, il dit qu'est me senti nécessité pour me tourner à joindre Jésus un tel là, pour me tourner à joindre Jésus frère un tel là, Jésus c'est une telle là, il senti nécessité là. Mais c'est graine non t'es semé, pas oublier me dire ça, responsabilité au gain c'est pour semer graine, semer une bonne graine, mais mon qui a fait lever c'est Saint-Esprit by parole là, et puis bon Dieu lui-même l'a fait parole, l'a fait course dans la vie mon qui a tendu là. On dit dernier modèle que me va parler là, c'est l'intention. L'intention, tout le monde connaît ça, yon intention, c'est l'idée qu'on gagne pour faire un message passé. Donc, ça caractérise, c'est que, en pile fois, nous besoin créer des occasions pour nous exposer l'évangile, soit avec des collègues, soit avec des amis, ou encore, on est capable de dire des connaissances. On dit collègues, on dit amis, on dit connaissances. C'est-à-dire des gens qui ont une salutation avec eux, qui ont parlé avec eux, des amis qui ont gagné, collègues de travail qui ont gagné. Mais on crée une occasion, pas bien, on a une intention. Intention, c'est by message là. Intention, c'est by message là. Mais on pas qu'à bailler comme ça avec nous, on crée des occasions. Et en pile fois, on conseille nous dans la même caractéristique là. Lieu que nous avons choisi, en pile fois, capable par l'église.
Des fois, nous sommes capables de réunir dans un bar, nous sommes capables de réunir de l'autre côté, un restaurant quelconque. Nous réunir pendant que nous avons parlé, mais on a intention. Hein. Et puis, pendant que monsieur a parlé de toute bagaille, de tout et de rien, et puis, ou même, ou présenter l'évangile de Jésus-Christ. Monsieur, qui ça nous pense? Qui ça nous pense si nous avons fait choix de Jésus-Christ? Ou commencer par lire premièrement de Jésus-Christ, à la fin, ou présenter ça pour faire qu'on ait un bon choix pour vous faire. Ou expliquer pour qui ça Jésus est venu, mais qui travaille Jésus-Christ est venu faire. Donc, ou avons intention pour bay message là et faire mon yo konnen que yo bon choix pour yo faire parce que yo bon destination. M'a toujours ap di ça, il n'y a pas la neutralité. Soit que ou pour bon Dieu, soit que ou pour Satan. Soit que ou aller dans la félicité éternelle, santa rile le paradis, santa rile côté que ou bral réjouis sans fin, soit que ou aller dans le tourment éternel côté que ou bral souffrir pour tout temps. Et ben ou même qui ap tande m ou même qui fait choix de Jésus déjà. Nous toujours à conseiller pour continuer à servir bon Dieu avec crainte, pour continuer à servir dans la fidélité, pour raï péché, pour servir bon Dieu. Ça capable briver de péché secret dans la vie. Ça capable briver de bagaille qui manifeste à l'intérieur de vous-même. Ça capable briver de pratiques coladan yo. Et puisqu'on a la parole de Dieu, Dieu nous vit sur ça. À chaque fois faire bagaille ça, à chaque fois tomber là-dedans, cœur bouleversé, ou gain problème, car l'esprit de Dieu qui dans vous-même ou attristé lui. Et bien, Abdi, ou confessez faute ça yo et demandez bon Dieu courage pour pas reproduire les mêmes choses. Demandez bon Dieu courage pour pas un récidiviste. Demandez bon Dieu courage pour capable marcher droite et pour capable vivre pour faire le plaisir. Car la vienne chercher une église qui sans tache, une église qui sans ride, une église qui irréprochable, une église qui choisit mener une vie à part. Nous sommes église. Nous c'est l'église et ben nous besoin séparer du monde. C'est m'a parlé là avec monde qui déjà connaît Jésus. Mais m'a parlé avec toi avec monde qui peut connaître Jésus. M'a dit ou bon choix pour faire. Ou bon choix pour faire. Sous mourir koto y a là, c'est l'enfer qui réservé avec vous. Sous pas jamais accepter Jésus. M'a dit ça. Moralité ou pas menon dans ciel. Ou dit mettre table vivre d'une façon qui conforme à société à ou pas dans plusieurs pratiques, nous sommes capables de dire qu'ils paraissent malsaines, eh bien, ça n'est pas suffisant. Moyen qui est suffisant pour sauver, c'est accepter Jésus comme maître et sauveur. Accepter Jésus, et vous êtes capable d'échapper de la colère à venir. C'est ça qu'il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ouais, ça c'est l'acceptation. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pavlo péri, et le Seigneur Pavlo péri, il dit ça dans 1 Pierre 3, verset 9. Bon Dieu, pas ta vle, personne moun péri. Il t'a vle, tout moun vina la connaissance de la vérité. Soti koto yea, accepte Jésus, et ou va gen la vie qui pas jam fini. Nous allons remercier chaque monde. Nous voulons remercier chaque monde de préférence qui t'attendait nous, qui t'a prêté attention pour te passer moment ça avec nous. Côté que nous allons quitter, nous allons séparer de nous-mêmes. Mais nous voulons que ça n'a pas ou pas attendez comme des auditeurs oublieux, mais ou mettez en application. Ou même qui déjà accepté Christ, qu'on a des âmes pour aller sauver pour Christ, et ou même qui beaucoup fait choix ça. Ou bien pour faire choix ça. Faut qu'on fait choix ça. Je dis à soutenir la voix de Dieu, par du cœur, par envoyer pour demain. Merci avec vous-même qui t'attendez. Merci pour le moment où tu choisis de passer ensemble avec nous. Et merci avec Évangéliste Duval qui permet que vous-même vous capable d'attendre nous aussi loin courrier, quel que soit côté où vous à travers le monde, vous capable d'attendre nous. Eh bien, nous remercions Évangéliste. Et nous remercions le groupe disciples. Nous remercions le monde qui est responsable programme à travers le groupe disciples, qui c'est Pasteur Wilner. Nous remercions et la sœur Albert. Nous remercions chaque monde qui travaille en façon pour ou bien l'autre pour travailler ça, aller plus loin. Nous croyons que récompense yo pas sous la terre et c'est bon Dieu qui a récompensé yo. Nous allons la prière pour nous capables remercier bon Dieu pour tout ça nous t'est passé ensemble et nous croyons toutefois que bon Dieu qui t'est là, l'a toujours là ensemble avec vous, l'a permettre que vous passez une agréable nuit et l'a gardé de tout danger, l'a gardé de tout ça qui mal. Pendant ce temps, on a chanté une strophe dans cantique ça que ou même ou capable béni à travers cantique ça. Écoutez l'appel du berger, il sait ces brebis en danger, n'a seulement chanté une strophe. Après ça, nous va la prière pour nous capables de terminer. Écoutez l'appel du berger, il sait ces brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour, cherchons-les
cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci, Seigneur, pour le moment ça te rend propice pour chacun de nous. Merci, Seigneur, du fait que vous êtes capable de bon, nos messages là pour nous bailler avec l'autre. Car vous dites dans la parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous prenez plaisir dans ça, Seigneur. Les nous bailler message là avec monde qui pourquoi connaît de Jésus. Les nous porter l'évangile là qui centré sur Christ. Christ mourit, il est ressuscité. Et tout le monde qui croit dans lui-même, il y a la vie qui peut jamais finir. Il y a pour ressusciter dans le dernier jour si vous avez mourir. Et si vous pouvez mourir, vous va transformer, Seigneur, puis à joindre Jésus-Christ dans les airs, Seigneur. Et de nous, Seigneur, nous-mêmes qui déjà accepté pour nous capables de kembe ligne l'évangile là, pour nous suivre dans la droiture, pour nous marcher, j'en voulais nous marcher là. J'en t'ai dit, avec serviteur Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On t'a dit Josué pour le fortifier, pour le prendre courage, pour ne pas détourner ni à droite ni à gauche. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas détourner ni à droite ni à gauche. Aidez-nous pour nous gagner les yeux fixés vers vous-même et vers vous-même seul, ou même qui s'est rémunérateur, ou même Seigneur qui a récompensé nous, ou même Seigneur qui a mené nous dans la gloire, ou même Seigneur qui kembe nous, car vous dites Seigneur non seulement kembe nous, en yon pas ravi nous dans mes mains, ou dit papa kembe nous tout Seigneur, kembe nous dans le royaume, kembe nous Seigneur, chaque jour nous dans lutte, chaque jour nous dans bataille, une bataille spirituelle. J'en nous chanter le bon dit, il est une sainte guerre entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Aidez-nous dans la bataille que nous y est Seigneur, pour nous capables pour des victoires sous ennemis, hein, sous quelque forme que ce soit. Bénis Seigneur, alléluia, chaque membre du groupe disciple, aidez-nous Seigneur dans tout ça qu'il a fait, aidez-nous dans route. Seigneur, kembe ou la caille ou kembe ou dans présence ou Seigneur, garde ou de tout danger, kembe ou dans travail ou kembe ou dans famille ou kembe petit Dieu, kembe Seigneur, alléluia, Marie, kembe madame, Seigneur, alléluia, kembe chacun de nous, Seigneur, pour nous capables d'échapper de tout piège ennemi, de toute Seigneur tentative ennemi, car Seigneur, on fait nos promesses, on garde nous, on dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, garde chacun de nous, Seigneur, et que chaque monde, Seigneur, captant de nous, qui pour qu'on connaît, Seigneur, n'abdou, Seigneur, allez toucher cœur, allez transformer la vie yo al faire qu'on n'est pas gain temps encore Seigneur yo bon choix pour yo faire yo besoin sortir dans ténèbres pour yo venir dans lumière et laisse ça Seigneur va réaliser comment ou bon pour yo comment remet yo doux Jésus Seigneur fait grâce à chacun de nous et bénis Seigneur alléluia chaque auditeur chaque auditrice bénis Seigneur spécialement serviteur nous évangéliste Duval bénis Seigneur la sœur Albert bénis Seigneur le pasteur Wilner bénis Seigneur alléluia tant de serviteurs et servantes Seigneur alléluia qui travaillent pour avancement royaume car relez nous Seigneur en tant que disciples pour nous aller faire des disciples. Aidez-nous pour nous faire travailler ça. J'en voulais nous faire là comme des ouvriers fidèles, des ouvriers, Seigneur, alléluia, qui ne peuvent garder ni sous bon temps, ni sous mauvais temps, mais qui fait travail là, Seigneur, alléluia, en tout temps, en toute occasion, même Jean, le pasteur, ou encore l'apôtre Paul, t'a dit, le pasteur Timothée, il t'a dit, et pour lui faire œuvre de bon évangéliste, il t'a allé plus loin pour lui dire, prêche la parole en tout temps, il dit favorable ou non, il a besoin de prêcher parole là pour l'insister en toute occasion, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, quelle que soit la circonstance là, pour nous prêcher l'évangile. Seigneur, couvrez-nous, serrez-nous, barrez-nous, cachez-nous. Bénis soirée ça pour nous, gardez-nous de tout danger, gardez-nous de tout mal, préservez-nous de tout piège ennemi. Hein. Avec nous, Seigneur, avec chacun de nous qui nous travaille ou bien qui va aller dans le travail, avec chacun de nous qui a fait un bagage quelconque, Seigneur, dans le royaume ou et avec ça qui pourquoi qu'on est, car en pile fois, même là, nous pourquoi qu'on est, Seigneur, alléluia, Dieu ou sous nous, ou à garder nous, avant même nous t'accepter, Dieu t'es sous nous, ou aller pour dire Jérémie, même là, pour te connaître, Saint-Tu Papa, Dieu t'es sous vous, l'autre est en masse informe dans votre maman, Dieu t'es sous vous, nous connaissons, Seigneur, des mondes, Seigneur, qui très loin, mais Dieu sous vous, on a dû garder et ramener au Seigneur dans le royaume. Seigneur, béni soirée ça pour nous, béni famille nous, béni toute proche nous, béni madame nous, béni petite nous qui pas bon côté nous. Béni nous abondamment Seigneur, nous comptons sur assistance nous. On va bénir toutes amis nous, on va bénir Seigneur alléluia tout collaborateur nous, tout franc collaborateur nous, on va bénir de Jésus, on va faire route pour au côté qui pas gain route. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton fils Jésus-Christ. À lui seul revienne la gloire, la puissance, la majesté, la sainteté dès à présent et pour toujours. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bonne soirée avec Jésus.